les célibataires, les célibastos. Alors, ça va bien dans les braguettes? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils sont où les beaux gosses? Elles sont où les belles demoiselles? C'est ce qu'on cherche tous. Et d'ailleurs, on se demande, mais qui c'est qui est bon à pécho? Alors, pour cette spéciale, puisque ça fait un an, les amis, qu'on est là dans Malek, et oui, ça fait un an qu'on cherche des célibataires, et ben vous savez quoi, nos chroniqueurs aussi recherchent des célibataires. Donc je vais vous présenter, pour cette spéciale, des chroniqueurs de Malek News. Ouh, allez les filles, on commence avec du très très lourd, tout à fait, puisqu'il s'agit de Père Castor. Alors, vous êtes amatrice de belles histoires. C'est vrai, on aime bien avoir des petites histoires le soir avant de s'endormir. Hein? Et puis des histoires aussi le matin quand on se réveille. Et ben Père Castor, il connaît tout, toutes les histoires. Et tout surtout. C'est un truc de fou, les filles. Dès que t'as une question, et tu fais, Père Castor, hein, qu'est-ce qui se passe? Il est où, Ornica? Et Père Castor, il sait tout, les filles. Voilà, ça c'est le beau gosse à pécho. Deuxième célibataire, et là attention les filles, je vais vous épater puisqu'il s'appelle Roland Patan. Alors, vous aimez les trucs qui disparaissent et qui réapparaissent, les trucs superficiels, les trucs artificiels, les tours de magie, c'est la folie les filles. Avec lui, vous ne serez jamais déçus, vous serez de surprise en surprise. À chaque fois il fait la technique, il se réveille, hop, il dit je vais te faire un tour de magie, demain matin quand je me réveille, eh ben t'auras disparu. Eh oui, j'ai pensé à vous les filles, parce que vous voyez, on a beaucoup de chroniqueurs masculins. Donc d'ailleurs le prochain, il s'appelle Mark Smith. Eh oui, il vient des États-Unis les filles. Ah, je me suis pas foutu de vous, puisque là c'est un Américain, la Merloc comme on l'appelle ici. Alors il connaît tous les films, puisqu'il voit les bandes annonces 10 ans avant avec Donald Trump. C'est un truc de fou. Le film, il est même pas encore produit et qu'il connaît déjà la bande annonce. Alors les filles, si vous voulez, si vous aimez les films, hein, les films d'action, fantastiques, même les films d'amour, eh oui, eh ben contactez Mark Smith. Mais ça coûte un peu cher le timbre puisqu'ils appellent aux États-Unis de l'Amérique. Oh les filles, vous avez envie de rigoler parce que vous vous ennuyez hein, des fois. On est là, le boulot c'est dur, les copines c'est dur. Et puis quand on rentre, on a envie de rigoler. Et ben j'ai pensé à vous puisque j'ai sélectionné Jerry Khan, le meilleur humoriste de la planète. Et oui, il a même fait rigoler les extraterrestres. Vous imaginez-vous rigoler sur la lune? Ça fait se taper des barres de rire. Et oui, donc le Jerry Khan, il connaît des blagues de fou, des blagues sur les blondes, sur les brunes et même sur les rousses. C'est la folie. Donc vous allez rigoler le jour, la nuit, puisque oui, Jerry Khan ne dort pas, même la nuit il raconte des blagues, donc c'est hallucinant. Ouh les filles, je m'adresse aux filles, mais vous inquiétez pas les garçons, parce que je vais finir avec une fille, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais juste avant, cette super jolie demoiselle, je vais vous présenter le dernier beau gosse qui traîne dans le secteur de chez Malek. Et oui, il s'appelle Johnny Pixel. Ouh, vous aimez titiller la manette, tripoter tous les boutons. Eh ben, Johnny, il est là. Il a la PlayStation, la Xbox, la Wii Fit et la Wii U. Eh ouais, donc n'hésitez pas à le contacter sur sa Game Boy. Donc, en jouant à Super Mario, il va débloquer tous les niveaux. Il est trop fort, Johnny Pixel. Ah, que des records. Ouh, les garçons, chose promise, chose due, voici l'affaire exceptionnelle de cette semaine, de ce mois, même de cette année. On n'a jamais vu plus lourd ici chez Malek, tout à fait, puisqu'il s'appelle Sylvie Julie. Eh oui, Sylvie Julie, elle connaît toutes les news sur la TV reality. Alors, vous aimez bien W9, Énergie 12? Eh ben vous inquiétez pas, Sylvie Julie, elle connaît tous les programmes par cœur, elle sait même ce qui va se passer avant même que ça se tourne. Wouh, c'est la folie. Les scoops, tous les scoops sur tout le monde. Voilà, même sur toi. Alors attention, hein, toi qui regardes l'écran là, Sylvie Julie, elle a un dossier sur toi. Attention, hein. Oui, et voilà, c'était tout ce qu'il y avait de bon à retenir pour les célibataires. C'était un peu long, désolé les amis. Mais il y avait du monde, hein. Encore, j'ai pas fait tout le monde, hein. T'as vu ce que je veux dire? Allez, les amis. Bonne année.